Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la review du Doctor Strange, mais pas que la review, puisque je vous l'avais promis la semaine dernière de vous faire remporter en loterie un exemplaire neuf scellé du Doctor Strange. Ce ne sera pas celui-ci forcément, puisque nous allons l'ouvrir, et je remercie mon ami Sébastien, qui est la personne qui me permet de faire la review de cette figurine. Mais lundi, mardi, j'ai un arrivage d'un Doctor Strange neuf scellé qu'une personne gagnera en loterie, mais on aura toutes les informations concernant cette loterie à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc à la fin de la vidéo. Au niveau de la boîte, on reprend les codes habituels, le visuel sur le personnage représenté à l'intérieur de la boîte en figurine. On a donc le Docteur Strange avec son nom, le petit décroché avec la licence Avengers Infinity War. C'est la MMS 484. Sur le côté, on retrouve le gant de Thanos toujours gaufré avec le logo Docteur Strange. Sur l'arrière, on retrouve les warnings habituels, le logo anti-contrefaçon qui permet de donc prouver que c'est une figurine officielle. Même chose, on revient sur le A des Avengers sur le côté ici. Et puis, même chose sur le visuel. Alors, sur le dessus, on retrouve Docteur Strange. Sur le dessous, toujours le titre du film. Au niveau du contenu, eh bien, la boîte s'ouvre toujours sur un slipcover. Hop, comme celui-ci. J'ai toujours du mal parce que ça colle bien. Qui nous donne donc une boîte vitrine sur l'intérieur de la figurine. Petit logo qui représente justement, eh bien, vous savez, le vitrail dans le repère du Doctor Strange. Les cast and crew, donc les crédits de réalisation sur l'arrière avec qui a fait quoi sur un énorme logo Avengers. Et puis rien d'autre sur le côté. On est parti tout de suite pour le contenu, les amis. On est parti sur le contenu les amis, on va découvrir ensemble la figurine. Je pense que la question principale ça va être est-ce qu'elle surpasse la première version sortie il y a 2 ans que je vous ai déjà fait en vidéo. Je vous mets le petit lien ici au-dessus et vous pourrez aller voir la review du précédent si vous le désirez. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions au niveau du contenu, au niveau des accessoires, au niveau du HS, au niveau du costume et voir par rapport à la version précédente, est-ce qu'elle a quelque chose de nouveau, est-ce qu'elle la remplace, est-ce qu'elle la surpasse, est-ce que la précédente était meilleure. Ça, on aura la réponse tout au long de la review. On est parti pour le contenu. Alors, je sors tout ça. Donc une boîte avec un intérieur orangé, très joli également. 2 étages pour cette figurine du Docteur Strange, puisqu'il y a énormément d'accessoires, d'effets, de costumes, ce genre de choses. Alors sur l'étage du bas, on va retrouver la pince diabolique que je déteste avec la tige, la cape. Je regarde s'il y a autre chose en dessous. Non. Et un effet des pegs. Ok, je le mets de côté pour le moment. Alors sur l'étage du dessus, on retrouve énormément de mains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mains au total. Pas mal d'effets magiques également, avec des effets verts du temps et des effets jaunes pour tous les arts mystiques que pratique le Docteur Strange. Donc pas mal d'accessoires en tout cas sur ce petit niveau. À l'intérieur, on retrouve encore des effets magiques, mais qu'on avait déjà dans la version précédente. Un effet plutôt carré, l'épée magique également, des rubans, les pendentifs également, donc ouverts et fermés, la figurine, le socle. Waouh, il y a énormément de choses dans cette boîte du Docteur Strange. Allez, on est parti pour le manuel. On voit un petit peu ce qu'il y a de beau à faire. Attention. Alors, le manuel, et vous le voyez en même temps que moi. Ok, partie A, comment mettre le pendentif? Ma foi, rien de bien particulier. Partie B, la cape s'aimante, c'était déjà le cas précédemment. Partie C, où ranger les petits trucs en métal au niveau de la ceinture, c'était le cas. Comment mettre les effets dans les mains? Ok. Comment mettre l'effet dans la main carrée également? Ok. On descend, alors F, comment mettre l'arme avec les doubles cercles, donc comment glisser la main à l'intérieur. Les petits effets de temps, position, ok, pas de problème. Comment retirer les mains, jusque là je suis. Comment mettre également l'effet avec les bandes de tissu du costume. Le socle, bon ma foi, il n'y a rien de particulier, rien de bien. Ils expliquent juste comment mettre tous les accessoires. Ok, à l'intérieur se trouve également un décor. On avait déjà un décor aussi sur la version précédente. Ici, vous savez, si vous suivez l'actualité d'Hottoys, si vous avez vu la précommande, au niveau, hop, voilà, au niveau du décor qui est proposé, vous le savez, hein, c'est le fameux décor où on retrouve justement le Docteur Strange représenté avec tous les bras, les effets de tous les bras tout autour de lui. Donc, on est censé représenter la figurine par devant pour essayer de la synchroniser avec ce fond afin de voir tous les bras autour de la figurine. On verra si on y arrive lors du visuel. J'essaierai de faire cette pose et de bien placer le Docteur Strange autour des bras. On verra si ce décor a une utilité ou alors si c'est totalement impossible de faire ce qu'ils veulent faire. Dans la boîte, les amis, les premiers accessoires que l'on retrouve, ce sont les 2 effets magiques, les 2 cercles en question que l'on met dans ses mains, donc avec les parties mains à insérer à l'intérieur. On les avait déjà dans la version précédente du Docteur Strange, donc juste ça, un recyclage d'accessoires, rien de nouveau. 2e accessoire qu'on n'avait pas dans la version précédente, c'est ce petit accessoire en question, donc le petit effet magique en carré dans lequel on va glisser la main, qui est plutôt bien réalisé avec un beau design à l'intérieur. Donc ça, c'est nouveau, on ne l'avait pas.
Troisième accessoire, c'est l'épée. Alors l'épée qui est représentée en espèce de feu et d'effet magique qu'on voit lors du combat avec Thanos. Très jolie épée également avec beaucoup de détails. On a le pendentif qui est représenté dans le manche. C'est très 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 joli. Ça ne s'allume pas, il n'y a pas d'effet dans le bras pour les illuminer, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, l'effet est voulu et très bien réalisé. Quatrième accessoire qu'on n'avait pas dans la version précédente, c'est cet effet de tissu magique donc qui est projeté vers Thanos justement. Donc très bien réalisé également avec un effet feu magique. Toutes les bandelettes sont vraiment bien représentées avec une espèce de gravure d'effet dessus. C'est vraiment très très bien représenté. On retrouve, comme dans la version par contre précédente, les deux pendentifs. Un avec l'œil fermé et un avec l'œil ouvert où on voit la pierre du temps. On a également les deux petites parties métalliques qui viennent se mettre. Alors, est-ce qu'elles sont en métal cette fois-ci? Parce qu'elles étaient en métal la fois passée. Non, ici elles sont en plastique. Donc deux petites parties qui sont maintenant en plastique que l'on vient accrocher à la ceinture, qui sont justement les petites bagues pour faire les effets du temps et les effets magiques. Les pendentifs, donc très bien réalisés également. Comme je vous dis, on met l'un fermé, l'un ouvert. Là, c'est vous qui choisissez celui que vous voulez mettre. Ils sont en plastique également avec un collier qui est en tissu et plutôt bien représenté également. Le dessous, on retrouve donc le socle Avengers Infinity War. C'est un socle classique. Ce ne sera pas l'énorme socle comme on avait sur la version précédente triangulaire que l'on connaît avec le logo Avengers Infinity War et puis l'inscription Doctor Strange sur le devant. Donc c'est un socle qui reprend les autres socles précédents de la licence. Dans le deuxième espace, on a donc un nouvel effet également magique qui est l'effet double cercle. Hein. On va glisser la main à l'intérieur et également le double cercle est tenu par des petites parties en plexi transparentes pour faire justement la jonction des deux. Et ces deux petites parties sont aussi traitées dans un plastique avec une gravure qui est également du plus bel effet. Donc ça va mettre aussi sur le docteur, on testera dans le visuel, voir ce que ça donne. On a également donc la cape du Doctor Strange. La cape est vraiment la même que la précédente, je vois rien de différent au niveau du tailoring. On a vraiment le même dessin avec les petites inscriptions sur l'arrière. La cape a peut-être une coque un petit peu différente ici sur le côté, j'ai l'impression que la coque est plus moulée, on a une espèce de coque moulée à l'intérieur. Je ne me souviens pas sur la version précédente d'avoir cette coque vraiment bien dessinée. La partie, on voit qu'à l'intérieur, bon, le tailoring est pareil, hein, donc on a le même dessin à l'intérieur. Et on a, par contre, pas de... Si, on a un câblage également. On a un câblage sur le bas pour lui donner du volume. On n'a pas de câblage, alors sur le côté, non, on n'a pas de câblage sur le côté. Donc pas de câblage sur le côté. Je sens par contre qu'il y a des aimants de chaque côté pour venir aimanter la cape sur le costume du Doctor Strange. Je vais revenir sur la cape les amis parce que je me suis attardé sur ma review précédente et j'ai remarqué en fait que la cape était vraiment mais vraiment différente de la version précédente. J'ai dit lorsque j'ai déballé qu'elle était la même mais en fait elle diffère en énormément de choses. Déjà la coque dont je vous parlais qui m'avait me semblait être pas existante sur la version précédente, effectivement elle ne l'est pas. C'était complètement mou. Ici on a bien une coque à l'intérieur qui est hyper dure et qui va justement bien épouser les de Doctor Strange. La taille également, elle est beaucoup plus petite que la précédente. Je vous montre les photos de la précédente de ma review. Il y avait une espèce de couture ici qui repliait la cape sur elle-même et qui était tenue avec deux petits points qu'on n'a pas du tout sur celle-ci. Elle est beaucoup plus petite au niveau de la taille. Même chose au niveau des dessins. On avait plus de petites versions carrées sur la version du Doctor Strange première version. Ici, on a juste les trois petites parties. On en avait quatre sur la version précédente. Également au niveau de la taille, du drapé, etc. Elle est totalement différente de la version précédente. Donc c'est une toute nouvelle cape qui a été faite pour cette figurine, beaucoup moins grande, beaucoup plus posable, beaucoup plus jolie, franchement beaucoup plus jolie. Donc cette cape est bien accurate au deuxième film, refaite complètement, plus petite et plus facile à poser. Également au niveau du col, il est vraiment très bien dessiné, ce qui fait qu'il va vraiment épouser très bien le cou de Doctor Strange. Donc vraiment une très belle réussite pour cette cape. Allez, je reviens sur la figurine. Là également, j'ai comparé avec ma review précédente. Il y a des choses qui changent également au niveau du costume. La figurine, on en discute et puis je vous explique les différences par rapport à la version précédente. Bon, ben le drapé et au niveau du tailoring, c'est encore du très très haut niveau chez Hot Toys. Il n'y a rien à dire, c'est très très bien géré. Que ce soit toutes les pliures au niveau du costume, devant, le drapé, tout ce qui est au niveau des jambes, c'est vraiment magnifique. Les parties brassards sont également bien représentées par rapport au film. On a les petites floches, on a les petites parties tissu. Tout est bien réalisé. Ce qui nous intéresse forcément est logiquement, c'est le visage et c'est ce que je vais découvrir avec vous par rapport à la version précédente également. Alors, je regarde. Première chose qui déjà m'interpelle, c'est que par rapport à la boîte, si on reprend la boîte, on a le Doctor Strange avec un visuel et des petites mèches qui reviennent devant son front, qu'on avait sur la version première du nom, qu'on n'a plus sur cette version-là. Donc là, le visage, on a carrément ses cheveux qui sont replaqués vers l'arrière, on n'a plus ces trois petites mèches qui retombent devant. Le visage, c'est encore un truc...
Un truc de malade. J'avais également une interrogation sur le visage et au niveau des yeux surtout, parce que je l'ai trouvé fort écarté sur les photos promotionnelles et sur les photos finales. Et en fait, dans les mains, il n'en est rien. Les yeux sont vraiment hyper bien placés et on reconnaît tout de suite le regard du Dr. Strange. La version précédente, souvenez-vous lors de la review, si vous l'avez vue ou si vous alliez la revoir, je trouvais déjà que c'était le plus beau HS que Toys avait fait jusque maintenant au niveau des représentations d'un personnage Marvel. C'était déjà du très haut niveau. Ici, c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment encore autre chose. Les cheveux, alors on va partir sur les cheveux, on va décortiquer un petit peu tout. On a bien les mèches blanches qui reviennent ici sur le côté. Elles sont beaucoup plus prononcées que la version précédente également, qui était grisonnante, mais pas aussi blanc. C'est fidèle au film, elles sont très blanches sur le film, on les retrouve ici également. Au niveau de l'expression du visage, on a une expression un petit peu contrariée avec les yeux relevés, qui donne justement donc une pliure au niveau du front, qui donne une expression un petit peu contrariée à ce Dr. Strange qu'on n'avait pas dans la version précédente. Donc, à savoir que forcément dans le film, avec tout ce qui se passe, son sacrifice, etc., je peux comprendre cette expression choisie par Hot Toys, et elle est plutôt bien choisie. Les yeux, ben magnifique, hein, magnifique, la barbe, le bouc, l'expression du visage, tout est encore très, très, très haut niveau chez Hot Toys. Hein. Alors, est-ce qu'elle est meilleure que la première ? Elle a évolué. Je dirais pas qu'elle est meilleure, je dirais pas qu'elle est beaucoup plus belle. Elle est différente, c'est certain. Ça reste l'acteur, mais on est sur une réalisation un petit peu plus poussée. Forcément, il y a 2 ans d'écart, il y a encore de l'amélioration chez Hot Toys au niveau de la tête. On est sur quelque chose qui est encore hyper développé par Hot Toys. On reconnaît des traits plus fins par rapport à la version précédente qui était déjà très ressemblante, mais voilà. Elle est plus belle. Elle est plus belle que la version précédente. Maintenant, est-ce qu'elle mérite de remplacer la version précédente? Ben, ça, on en discutera dans la conclusion et je vous dirai ce que moi j'en pense. Mais en tout cas, que ce soit de profil, de côté, on a vraiment un très, très, très beau HS. Oh là là. Ouais, vraiment, c'est très, très bien géré. Je regarde sur tous les angles et en même temps, je vous montre dans le petit visuel. Mais c'est vraiment du très, très haut niveau par Hot Toys, encore une fois. Ouais, vraiment très joli. Très très joli. Les mains habituelles, hein, on a les cicatrices qui sont représentées. Vous savez qu'avec son accident de voiture, ben, il a toutes les mains destroy avec toutes les cicatrices. Et bien toutes les mains sont représentées également avec toutes ces cicatrices bien dessinées. Donc franchement, les mains du Dr. Strange, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est encore du haut niveau, même jusqu'au bout des doigts. La ceinture, elle a l'air d'être la même. La ceinture, rien ne change. Hein. Franchement, c'est la même que la version précédente. On a la même ceinture représentée, on n'a pas changé, donc on a repris la même ceinture, on l'a remoulée de la même manière, rien ne change, c'est la même chose. Au niveau du costume, le drapé sur la partie de devant est un petit peu plus fin, les dessins sont un petit peu mieux imprimés, c'est différent. La partie de devant également, les bottes sont les mêmes, rien ne change, ce sont vraiment les mêmes bottes. Je vais comparer avec la review précédente, rien ne change. C'est vraiment au niveau du tailoring, les parties de devant au niveau des dessins qui est plus fin. Les brassards sont changés également, c'est d'autres couleurs qui reviennent. On avait du blanc dans les petits dessins qu'on retrouve ici, on les a plus, c'est devenu maintenant sur du rouge et du bleu foncé. Il y a du vert fluo qui est apparu. Donc là, c'est différent également par rapport à la version précédente au niveau des brassards. Le plus gros, c'est le HS qui a été modifié. Quelques touches sur le costume et puis la cape qui est complètement refaite dans une version plus petite et plus accurate. Je vous assemble tout ça, les amis, et on est parti pour la pause. À tout de suite. Voilà les amis, première pause, vous savez que j'aime poser les figurines quand il y a beaucoup de possibilités à leur donner, donc ça va être le cas un petit peu comme je l'avais fait avec Matrix, ici où nous allons faire 3-4 poses emblématiques du film afin de vous montrer ce que l'on peut faire avec la figurine. Elle est très très bien articulée, aucun problème avec le costume de pouvoir lever les bras, plier les jambes, aucun souci à ce niveau-là, on peut déjà le remarquer là qu'on peut lever les bras facilement, lui donner la pose. Vous savez au début du film quand les enfants de Thanos débarquent, qui nous fait cette super manipulation à la Bioman avec ses bras et qui se met en position d'attaque, eh bien j'ai représenté donc cette première pose au niveau de la figurine. Franchement, elle envoie du lourd. Le drapé, tout est vraiment hyper bien géré. Là, j'ai pas mis la tige pour le moment, pas besoin puisqu'elle tient facilement, elle est hyper stable dans des positions telles quelles. On verra ensuite quand est-ce qu'il faut la tige pour certaines positions. Lorsque je vais le mettre en lévitation, forcément là, la tige va être nécessaire avec la pince et on verra si par rapport à la version précédente, on est toujours aussi emmerdé avec la cape pour mettre la pince dans le dos. Mais je pense que ça a été corrigé par rapport à la version précédente où on avait la longue tige en plexi qui faisait que la cape donner n'importe comment. Ici, en tout cas, on a une nouvelle tige flexible qui permettra, à mon avis, de lever la figurine sans être emmerdé avec la pince dans le dos. Mais on va voir ce que ça va donner lors de l'assemblage tout à l'heure. Allez, on passe sur une autre pose.
Voilà les amis, deuxième pose avec le double effet magique. Franchement, je trouve que ce petit accessoire est vraiment très 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 bien fait. J'ai du mal par contre à bien l'orienter au niveau de la main, mettre la main convenablement dans les bons petits trous. J'ai pas trop compris comment il fallait faire, j'ai fait à ma manière. Le mode d'emploi vous explique, mais j'y suis pas arrivé moi à mettre les doigts convenablement. Ma foi, si vous y arrivez, eh bien tant mieux. On passe sur une troisième pose. Troisième pose les amis, quelque chose d'assez simple également. On utilise à ce moment-là les deux grands cercles magiques et on lui met dans les mains. Là, c'est pas trop compliqué à insérer. Il y a énormément de trous pour mettre les doigts à l'intérieur. C'est plutôt facile. Donc là, ça donne une petite pose assez simple avec les deux effets magiques. On passe sur la quatrième. Une des poses que je préfère forcément, c'est celle-ci. C'est la scène où le Docteur Strange est en train d'étudier toutes les possibilités de victoire contre Thanos et il n'en trouve qu'une sur des millions. Donc c'est cette scène en question où vraiment il a la tête qui part en tous les sens. Il est possible de le faire avec la tige, avec la pince, mais à nouveau, on aura le problème dans le dos. Voilà ce que ça va nous donner. La cape va épouser de nouveau eh bien, la tige derrière qui va faire cette sale pliure. Donc de nouveau, on ne résout pas le problème avec cette pince qui est trop large. Il faudrait une pince vraiment qui tombe hyper bien, qui soit plus en angle droit que hyper large comme elle est et plus avoir ce problème de pliure à l'arrière de la cape. De face, ma foi, ça ne dérangera pas trop et vous ne le verrez pas. De côté, pardon, ou de derrière, eh bien, on voit forcément que la cape ne se met pas convenablement. Mais la pose est plutôt très jolie. Vous voyez qu'au niveau des articulations avec le costume, on peut plier les jambes hyper bien pour lui donner cette position. Franchement, top. Moi, c'est une des poses que je préfère. On essaye de faire la fameuse pose avec le diorama à l'arrière. C'est parti. Avant-dernière pose, les amis, avec l'effet donc du décor derrière. Je pense que l'effet est plutôt réussi par Hot Toys. On voit vraiment les bras derrière. Ça fait cet effet relief. Je pense par contre qu'on aurait peut-être pu avoir des bras plastiques à venir aimanter dans le dos et avoir justement les multibras. Mais l'effet est plutôt pas dégueulasse. On a quelque chose qui est plutôt bien réalisé. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais avec la profondeur, c'est plutôt pas mal. On passe sur la toute dernière pose. Et puis on ira les amis sur le visuel. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, dernière pose. Si vous voulez utiliser l'épée, eh bien vous donnez une petite pose facile hein, avec l'épée de ce mode-là. Faites comme vous avez envie, mais bon, le principal, c'est que vous fassiez plaisir au niveau des poses. Voilà, je vous en ai donné 4-5, comme ça, à la va-vite, vite fait, pour vous montrer les possibilités de la figurine. Et comme vous voyez, elle envoie vraiment du lourd et il y a beaucoup, beaucoup de possibilités avec tous les accessoires fournis. J'ai pas pu tout vous montrer, mais on a déjà vu une grosse, grosse partie. On est parti sur le visuel, les amis. À tout de suite. Thank you.
Voilà les amis, conclusion sur ce Doctor Strange donc de chez Hot Toys, licence Infinity War. Pas mal de choses à dire dessus puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé, on l'a vu tout au long de la review. La cape a été modifiée, en mieux pour moi par rapport à la version précédente. Le costume a quelques améliorations au niveau des matériaux utilisés et du design. On a de nouveaux accessoires qu'on n'avait pas dans la version précédente, forcément qui sont dans le nouveau film et qu'on n'avait pas dans l'ancien film. On a pas mal de choses qui ont donc changé. Au niveau du HS, après ce n'est que mon avis personnel, vous avez le vôtre et je le respecte également. Pour moi, ce HS surpasse le premier. J'étais sceptique avant de le recevoir. Aujourd'hui, en l'ayant dans les mains et en étudiant le visage par rapport au précédent, je trouve qu'on est sur une réalisation de l'acteur qui est vraiment plus prononcée et plus fin par rapport à la version précédente que je trouvais ultime, mais il y a 2 ans. Ce serait dommage aujourd'hui que 2 ans après la version précédente, eh bien la nouvelle ne surpasse pas l'ancienne. Ce n'est que mon avis. Maintenant, les personnes qui ont la version précédente, c'est un choix personnel de la remplacer par celle-ci ou de garder la version que vous avez aujourd'hui. Ça, c'est votre choix. Personnellement, ceux qui n'ont pas de version de Doctor Strange, c'est celle-là que je vais leur conseiller pour les améliorations que je vous ai dit. Une cape beaucoup plus fluide, beaucoup plus petite, un visage beaucoup plus fin et beaucoup plus ressemblant à l'acteur. Après, libre choix, celui qui le désira, de prendre la nouvelle, l'ancienne, en fonction du prix également, c'est vous qui décidez. Mais personnellement, pour moi, c'est une super réussite. On est vraiment sur la tuerie monumentale au niveau de cette figurine, 200% conseillé. Si la review vous a convaincu, les amis, dans la description, vous avez les liens partenaires pour acheter donc ces figurines. Les deux vendeurs que je vous conseille habituellement sont toujours TeamSent et Toys for Kidult. Vous le savez, je vous l'ai expliqué, lorsque vous passez par les liens, les commandes de la chaîne sont en deal avec ces deux vendeurs et sont expédiées plus rapidement que les autres. Donc voilà, on a un petit deal entre nous. Je leur envoie donc les abonnés pour acheter les figurines et eux, je leur ai demandé par contre de traiter les commandes rapidement avec le plus grand soin et faire ce qu'il faut également au niveau de la douane. Donc voilà les amis, dans la description, vous avez les liens, vous cliquez, vous vous faites plaisir. Au niveau du prix, à Hong Kong, elle est aux alentours de 360€ actuellement. Oui, c'est cher, mais c'est le prix de la rapidité. Pour ceux qui la voudront en France, eh bien, vous précommandez sur vos boutiques habituelles. Et également, je vous ai conseillé des boutiques très intéressantes qui sont Obi-Wan et Figurine Collector en France. Concernant la loterie, les amis, dont je vous ai parlé dans l'introduction, elle aura lieu lundi à 20h. Je laisse ainsi le temps à plusieurs personnes de voir la review et de savoir qu'il y a une loterie. Et également, l'heure commencera à 20h, n'est plus le matin à 10h, pour pouvoir permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir participer à cette loterie. Donc à 20h, lundi, une vidéo apparaîtra sur la chaîne avec les modalités de participation. Je vous demande à tous et toutes de lire ce qui va apparaître à l'écran au niveau des modalités et de bien les respecter. Donc lisez bien tout avant de prendre un ticket. Vous aurez toutes les explications lundi 20h en ligne sur la chaîne YouTube. Forcément, soyez attentifs et soyez vigilants. Vous avez vu pour la Wonder Woman, en à peine 2 heures, la loterie était terminée. Donc, il risque, à mon avis, ça risque d'être le même pour ce Doctor Strange. À 20h, soyez là en ligne pour voir la vidéo donc d'ouverture de cette loterie. C'est tout pour celle-ci, les amis. C'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.